Bonjour et bienvenue dans votre agenda. Tout de suite, votre programme sélectionné par Catéo. Cet été, pourquoi ne pas passer des vacances en famille franciscaine? Les frères franciscains du sanctuaire des grottes de Saint-Antoine vous proposent de passer une semaine chez eux en Corrèze du 23 au 30 juillet avec vos enfants. Sur le thème « Tous appelés à la sainteté », vous pourrez découvrir ou redécouvrir la spiritualité franciscaine avec au programme « Prière, Eucharistie, soirée de louange et d'adoration, éveillée ». Chaque matin, un enseignement suivi d'un partage en petits groupes pour les parents et activités spirituelles pour les enfants. L'après-midi sera réservé aux loisirs et à la découverte de la région. Un service de garderie est disponible pour les enfants de moins de 3 ans. Inscription et renseignements par téléphone au 06 22 79 31 04 ou par mail à l'adresse vacancesfranciscaines@gmail.com. Connaissez-vous Malel? Il s'agit d'un artiste peintre catholique dont l'œuvre traduit parfaitement son lien avec la nature et ses convictions chrétiennes. Son art authentique, qui fait de lui un artiste intemporel, se décline dans de nombreuses formes de création. Peinture, tapisserie, gouache et dessin. L'abbaye de la Cambre à Bruxelles vous invite à découvrir ou redécouvrir ses œuvres. L'exposition jusqu'au 23 juillet de plus de 70 de ses œuvres avec pour thème la rencontre. Parallèlement à cette exposition, des événements chrétiens sont également prévus dans l'abbaye. Témoignages de jeunes, couples, personnes porteuses de handicap ou encore artistes sur leur rencontre avec Dieu, ainsi que des conférences sur différents thèmes, comme la santé ou le bonheur, pour vous fournir des pistes d'espérance. L'exposition gratuite est ouverte le lundi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de midi à 18h. Pour découvrir le reste du programme, conférences, rencontres, concerts, rendez-vous sur lesgrandesheures.be. Un pèlerinage spirituel pour les mères de famille. Faites une pause au milieu des petits tracas quotidiens en participant à un pèlerinage spécialement destiné aux mères de famille de Noyelles à Quérien dans les Côtes d'Armor. Du 9 au 11 juin, le diocèse de Saint-Brieuc vous propose de rencontrer le Seigneur en quittant l'espace d'une journée votre confort. Sac de couchage, pique-nique, absence de gaz et d'électricité. En bref, faire le vide dans sa vie pour faire le point, discerner et mieux rendre grâce. Un minimum de conditions physiques est requis pour les marches quotidiennes. Plus d'informations et inscriptions par téléphone au 06 80 18 92 76 ou par mail à l'adresse adbarmont@wanadoo.fr. Trois jours consacrés à la création artistique. Le diocèse de Besançon vous invite, que vous soyez novice ou non de la création picturale, à une retraite spécialement dédiée à cet art à Ronchamp. Tout au long de ces trois jours, des ateliers seront au programme pour faire de vous une véritable artiste, des activités spirituelles, ainsi que la projection d'un film relatant la vie d'une artiste peintre le samedi soir, vous seront proposées. La participation financière est libre. Plus d'informations et inscriptions par téléphone 06 72 02 51 46 ou par mail à l'adresse christine.mussard@wanadoo.fr. Si vous avez des informations à nous faire parvenir, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda@kateotv.com ou bien à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte en musique avec un extrait de « Réjouis-toi Marie » interprété par Emmanuel Musique et tiré de l'album « Dieu fidèle ». L'équipe de Catéo se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. Réjouis-toi.